cher membre de Trader Pro, bonjour. Alors, je fais cette vidéo, je vais faire une vidéo sur les indices dans la journée, un point plus complet, mais je voulais juste vous montrer en analyse technique pourquoi il faut utiliser une échelle logarithmique, parce que c'est important aussi. Comme vous le savez, hein, je suis vendeur du Nasdaq depuis les 16 500 points. Et je vise une correction au minimum sur les 8 000 points, mais quand on regarde le Nasdaq de différentes façons, on peut se rendre compte que sur les 5 000 points, ce ne serait pas impossible. Alors, je voulais vous montrer quelque chose qui est important en trading que j'utilise aussi, surtout quand vous faites du long terme. Alors, on est sur une échelle uniquement de prix. Donc, sur mon broker, vous avez le lien en bas de la vidéo si vous voulez l'utiliser, qui est un broker excellent, celui que je recommande. Vous pouvez aller dans personnaliser les graphiques et vous avez les options échelle logarithmique que vous pouvez activer. Donc, je vais vous présenter un graphique avec l'échelle logarithmique et sans l'échelle logarithmique. Donc là, on est sur une échelle classique, hein, on mesure juste la valeur des, enfin le prix en fin de compte. Alors que l'échelle logarithmique va plus être liée au pourcentage et à l'évolution. Et donc, ça va donner une autre vision plus saine et filtrer un petit peu les bons. Si on regarde le Nasdaq, par exemple, sur une échelle simple, un trader débutant se dirait, oh là là, on a baissé ici autant que la baisse de la crise de 2008-2009. On a perdu autant. Graphiquement, c'est un super. On pourrait se dire, ouais, on est sur un très bon niveau d'achat ici. Le mouvement. Sauf que ce n'est pas le cas. Et la baisse peut être beaucoup plus profonde, hein, puisque moi, je vous le dis, hein, je vise un retour à 8 000 points sera un minimum, et je ne serais pas surpris de voir le Nasdaq revenir sur ce niveau de prix à peu près vers les 5 à 5 000, 5 000. Alors maintenant, on va regarder sur une échelle logarithmique ce que ça donne. Et là, c'est totalement différent. Là, on voit que la crise de 2008-2009, hein, la crise financière, avait fait baisser le Nasdaq de 83%. Ah, c'est un beau mouvement, mais il est largement supérieur. Là, on voit bien en termes de pourcentage qu'il est largement plus supérieur. Donc là, ça vous permet d'avoir vraiment le pourcentage par rapport au prix et donc d'avoir une vision beaucoup plus claire sur le potentiel baissier. Là, on voit bien qu'on est dans un mouvement. Là, on a bien ces mouvements, on les voit bien. Là, on voit par exemple le crack Covid ici. C'était une simple correction en échelle logarithmique. À ce niveau-là, on avait envie d'acheter. C'est une petite correction comme ici, donc allons-y gaiement. Là, on n'est plus dans la même structure et puis le potentiel baissier, hein, pour moi, on a un potentiel baissier. Franchement, revenir sous les 5 000 points, le Nasdaq, c'est pas impossible dans les mois à venir avec la crise qui se bat. Donc quand on regarde ces deux graphiques, il y en a un qui donne l'impression d'avoir déjà bien baissé. Et quand on regarde en échelle logarithmique, on n'est qu'au début d'une correction et le potentiel baissier. Hein, comme je dis toujours, hein, quand vous faites du trading, vous prenez le plus haut historique. Le plus haut historique, comme ici, quand vous étiez là, le plus haut historique à l'époque était là. Eh bien, vous n'achetez jamais un indice qui est en tendance baissière à long terme tant qu'il n'a pas fait au minimum 50% de baisse sur les indices US. Donc là, le potentiel est extrêmement baissier. On a l'impression d'être sur un bon niveau d'achat, 11 000 points en échelle traditionnelle. Par contre, ben là, c'est pas du tout la même chose. On n'a perdu que 34%, alors qu'il avait perdu pendant la crise Internet 83%, pendant la crise financière 55%. Donc il devrait au moins perdre 55%, voire plus, avec l'inflation qui va impacter l'économie. Et comme vous le savez, le problème des dettes, le chômage va augmenter. Je vous l'expliquerai dans ma prochaine vidéo, mais vous savez, ceux qui suivent ma chaîne, quand on lit mes vidéos, que la situation macroéconomique, géopolitique est extrêmement tendue. Je n'ai jamais vu sur les marchés, dans l'économie, autant de choses négatives. Alors, ce que je pense, à mon avis, c'est que là, la Fed a deux solutions. La Fed veut monter ses taux pour lutter contre l'inflation, mais je pense qu'elle veut aller très très vite pour lutter contre l'inflation, parce que plus les taux vont monter vite, plus elle va pouvoir intervenir sur la récession qu'elle est en train de créer. Parce qu'elle va monter ses taux, mais elle a besoin de recharger son fusil avec de nouvelles cartouches, parce qu'elle sait que la récession va arriver. On va rentrer dans une récession, les entreprises vont faire des profit warnings, vous allez avoir des augmentations de capital, vous allez avoir des licenciements, vous allez avoir des faillites d'entreprises, et la Fed, à un moment, elle va avoir besoin de lutter contre l'inflation.
contre, excusez-moi, pas contre l'inflation, enfin, bien sûr, lutter contre l'inflation maintenant, mais contre la récession qu'elle est en train de générer aussi, qui est en train de se mettre en place. Et pour ça, elle aura le seul moyen, c'est de pouvoir baisser ses taux d'intérêt. Et pour pouvoir les baisser alors qu'ils étaient historiquement bas, il faut les remonter rapidement pour garder une marge de manœuvre, peut-être dans un an, en plein krach boursier, se dire, bah, écoutez, on va baisser les taux et donner un signal au marché. Mais pour l'instant, la situation est dramatique, donc je vous déconseille d'acheter long terme les marchés pour l'instant. Hein, j'avais dit en août 2021 de solder vos PEA, j'avais créé le Facebook Trader Pro pour alerter, hein, justement la communauté, de leur dire, voilà, le premier message que j'avais, c'était solder vos PEA en urgence, vous avez plus à perdre qu'à gagner, les marchés vont baisser, vous allez avoir un krach. Alors les gens à l'époque ne me prenez pour un fou, certainement. Qui c'est celui-là? Et puis maintenant, ils ont appris à me suivre et ils se rendent compte que j'ai pas forcément tort. Donc attention, ne pensez pas que vous faites des bons achats sur ces niveaux de marché. Les indices peuvent rebondir, hein, bien sûr, sur le court terme, mais vous allez beaucoup plus bas. Hein, sur la majorité des indices, hein, pour moi, que ce soit US, européen, vont perdre 50% depuis leur dernier record historique. Donc voilà, donc apprenez à utiliser ces échelles qui vous permettent, échelle traditionnelle et une échelle logarithmique, qui vous permettent sur le long terme, bah, de vous dire, bah là, ah oui, on n'est pas forcément. Pour moi, la belle zone d'achat, elle est plus, hein, sur cette droite de tendance. Ici, on est plus vers le. Allez, j'irais acheter le Nasdaq sous les 6500 points, sur une cassure des 6500 points, ce serait une phase d'accumulation. On serait un peu dans cette phase-là ici, une phase d'accumulation où vous achetez, vous perdez de l'argent à court terme, moyen terme, et puis à un moment vous reprenez un cycle haussier. On se rend compte que les baisses sont très rapides et les hausses sont très très lentes. Quelqu'un qui a acheté là, il a mis du temps ici, hein, plusieurs années, et puis après, paf! On n'a pas eu un grand rendement ici en fin de compte en échelle logarithmique, si on regarde bien entre 2000 et 2009, c'était pas un grand mouvement, hein, puisque on voit bien la pente n'était pas tellement puissante, hein, ici on n'a pas eu un gros mouvement, hein. La personne qui a acheté là après le krach, elle a gagné un petit peu et puis après c'est retombé, paf. Par contre là on voit bien que ce cycle a été totalement différent. Là on a une pente énorme, ce qui donne ce potentiel baissier assez important et normal, hein, je veux dire la trajectoire du Nasdaq, elle est clairement ici. Alors, sachant que ce mouvement qui a été créé ici, hein, c'est uniquement pour éviter, on voyait bien qu'on rentrait dans un cycle, dans une spirale infernale ici, sur le Nasdaq. Si on prend ça, on voyait bien que on a eu le krach des technologies, on a eu une montée lente où bon, les gens investissaient, alors, et puis là derrière, ça a été la catastrophe, hein, les subprimes, la crise financière, et c'est là, à ce moment-là, que les banques centrales ont dit, on va injecter de l'argent, on va changer notre politique monétaire, on va lutter contre une récession, et on va faire tourner la planche à billets, en fin de compte, on va permettre aux entreprises, aux particuliers, aux gens, d'emprunter avec des taux d'intérêt très très bas. Alors ce qui se passe quand les taux d'intérêt sont très très bas, c'est que les gens achètent, mais bien sûr, bah, les entreprises et les banques, tout augmente, hein. Si demain, vous avez 100 000 euros et que le mois d'après, on vous dit qu'on va vous prêter 200 000 euros au même prix, bah, ce qui se passe, c'est que celui qui vend un bien immobilier, bah, il va plus vous le vendre 100 000 euros, il va essayer de gratter un petit peu et de gagner plus. Donc tout ça crée, ça dynamise, hein, bien sûr, l'économie, puisque les gens gagnent plus d'argent, hein, les gens empruntent plus, dépensent plus, donc ça permet de vendre des iPhones à plus de 1 000 dollars, de vendre des voitures à 40 000 euros maintenant, de vendre des biens immobiliers médiocres à 300 000 euros. C'est tout ça, c'est les taux d'intérêt, hein, quand vous prêtez 300 000 euros à un couple de smicards, ben lui il peut acheter une maison à 300 000 euros, hein, avec son salaire, donc parce que les taux sont bas tout simplement, mais les prix montent et à un moment, ben, tout ça alimente une économie. Hein, les prix montent, ça gonfle, on augmente la masse monétaire jusqu'au moment où l'inflation s'envole et n'est plus maîtrisable. Alors le risque, ce serait d'avoir une stagflation, bien sûr, sur l'économie. Là, de toute façon, on va avoir une récession, c'est obligé. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt sont en train de se resserrer. Juste pour vous donner une idée, je suis en train de chercher pour m'acheter une moto. J'ai un budget de 20 000 euros. Le modèle de moto que je veux, hein, neuf, hein, je l'avais acheté en 2009, 15 000 euros. Aujourd'hui, ce même modèle, il vaut 20 000 euros. Mais ça a pris 5 000 euros.
Et entre l'année dernière et aujourd'hui, ce modèle a pris 1000 euros. Mon salaire, hein, comme vous savez, hein, je suis salarié, hein, n'a pas pris autant, quoi. Il a même perdu du pouvoir d'achat avec l'inflation. Donc, on voit bien le problème. C'est que tout coûte plus cher. On voit bien, aller acheter une voiture aujourd'hui, vous vous rendrez compte, bah, ça, tout s'est envolé, hein. Il y a des choses qui sont flagrantes. Donc voilà. Donc, la crise n'est qu'à son début, elle ne fait que commencer. Vous allez avoir un grand mouvement baissier sur le Nasdaq, c'est inévitable. Je l'avais mis sur notre Facebook Trader Pro, je vais essayer de vous le mettre. J'avais une image que j'avais mis, je regarde où elle est. On avait mis ces images. Et c'était le mouvement que j'anticipais sur le Nasdaq au tout début, quand j'ai créé le Facebook Trader Pro. Je vais vous la retrouver, le temps que je cherche. Elle est où? Elle est tout début. Je vais la retrouver ici. J'ai pas. Je découvre aussi. J'ai pas le. Je suis pas un expert de YouTube. Voilà. Mais cette image-là, je vais vous la mettre. Alors, ici. Ah voilà. Là voilà. Quand j'ai créé le Facebook Trader Pro, hein, donc on voit ici, on était à peu près on était en 2021 ici. Et c'était le mouvement que j'anticipais sur le Nasdaq. Hein, donc j'avais fait cette étude, donc on n'était pas en échelle logarithmique, mais je disais aux gens, attention, zone de vente long terme potentiel baissier moins 30 à 80%, et mon signal était à 16 596 points. C'est là où je disais, voilà, nous on vend. Donc je faisais des petits achats techniques et après je vendais ce mouvement-là, j'accumulais à la vente pour jouer ce mouvement qu'on est en train de faire actuellement, hein, pour jouer un crack monétaire. Donc là on voit bien 16 500 points. Si je reprends ce graphique, hein, et si je passe en graphique traditionnel, vous allez voir, et ben on est, c'est passé ce que j'ai prévu, hein. Si on regardait en graphique hebdomadaire, on a vu ce mouvement. Voilà, exactement la même chose. Donc voilà, ce petit point, c'est vraiment pour vous donner un outil en plus. Pensez à regarder, surtout si vous faites du PEA, de l'investissement long terme, comme je fais. Moi, je suis pas trader agressif. Je suis trader en fin de compte dans les marchés baissiers. Sinon, autrement, ce que je fais, j'ouvre un PEA moi après la crise financière. Après les grands mouvements baissiers, j'ai un PEA généralement. Et je fais des investissements sur plus de 8 ans, c'est pour défiscaliser en fin de compte. Et je passe pas mon temps devant les écrans à trader. C'est rare que je sois en trader. J'achète, je surveille de temps en temps, je regarde une fois par semaine, généralement le vendredi soir, c'est qu'on fait les marchés. Puis si j'ai des opportunités, je me renforce sur mon PEA pour jouer des gros mouvements. Donc je suis resté, j'ai conservé mes valeurs, moi. Tout ce mouvement-là, et j'ai vendu dans le haut quand je vous ai recommandé de solder le PA. Alors, dans ces mouvements-là, ce que je fais, je fais un peu plus de trading indice avec mon broker, et voilà. Mais autrement, tous ces mouvements-là, non, sur un mouvement comme ça, vous n'entendrez plus parler de moi, hein, je serai très peu sur les marchés. Donc, c'est vraiment le but de faire du trading, du scalping, du trading court terme, c'est vraiment pour gagner de l'argent sur la baisse du marché. Et cet argent que je gagne sur la baisse des marchés va me servir à compléter ma puissance de frappe pour ouvrir un PEA quand le marché aura fini de corriger. Alors j'ai des liquidités de côté, hein, tout ce que j'ai soldé sur mon PEA, ces liquidités sont sur du livret A, du plan épargne logement. Donc c'est de côté, c'est en sécurité. Par contre, quand l'indice va vraiment baisser, il sera vraiment dans le bas, je récupérerai ces relais et je vais ouvrir un nouveau PEA. Et en plus, je vais utiliser ce que j'aurai gagné durant la phase de baisse. Donc voilà, c'était juste pour vous donner cette petite info. Pensez à regarder l'échelle logarithmique. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure, je vais faire un point complet sur les indices. À plus tard.